Donc là, nous sommes sur le stand Yamaha qui présente les Tempestes et les Pacific Raft. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente comme modèle? C'est l'Open 610 qui est présenté. Un Open 510, un Open 625. Donc je vais me présenter aux équipes de Pacific Raft. Voilà. Là ils ont pas mal de modèles, donc ça va être sympa. Ouais. Le PC745. Le 635 Chrysler, je ne connaissais pas. Donc légèrement plus petit que le mien, mais ma collection des Pacific Raft va pouvoir être presque complète certainement. Donc on démarre avec un Open 645. Alors, le petit Open de la gamme Pacific Raft, le 545. Le 545, pardon. Voilà, donc ça c'est un Open classique, compact, mais déjà bien fonctionnel. Voilà. Capacité de manger à 4 serait confortablement. Voilà, un petit bateau sympa, un moteur qui peut démarrer comme moteur à 80 chevaux. Voilà, une bonne entrée de gamme pour démarrer la navigation sur le bassin avec un Open et pour aller à la pêche. Bon, il ne faudra pas aller, surtout ne vous approchez pas trop des passes quand même. Hein. Ouais, voilà. Donc là on a le 630 Open, bon, avec un moteur qui me semble un peu léger, 130 chevaux. Mais bon. C'est pas très grave, ils sont à quai. Hein. C'est un peu le même concept que le 700. Alors la grosse différence que l'on voit, c'est qu'à l'opposé du 700, hein, la cabine, j'ai des bêtises, il y a quand même deux ouvertures qui permettent de faire rentrer un peu de lumière, donc c'est quand même sympa. Ah, bien sûr, il n'y a pas l'espace que comme nous avons sur le 700 avec le petit meuble. Mais il y a une cabine qui est relativement profonde quand même. Voilà, et après on retrouve les équipements classiques, standards que l'on a sur le 700. Alors attention quand même, la différence, vous voyez, c'est que sur le côté on ne peut pas vraiment monter, hein, donc on peut monter que sur un côté. Donc je pense que le 700 me semble préférable. Hein. Et là, c'est mon bateau, mais avec le moteur blanc. Et ça, c'est le premier, en fait, c'est le 750. Le 750, oui. T'as vu devant, là, c'est énorme, la place qu'il y a. Donc là, je vous présente le Pacific Raft 750 en open. Alors, non, je ne filme pas. Enfin, si vous voulez. Hein. Un beau bateau. Regardez la profondeur. La profondeur devant, c'est impressionnant, hein, l'espace que l'on peut avoir. Hein. Dans l'esprit, toujours dans le bel esprit Pacific Raft, avec une belle main courante, sécurisante. Voilà. Donc je sais pas. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. Alors c'est original, un tableau de bord. Pour une fois, c'est un tableau de bord qui n'est ni noir ni gris. Qui est vert. Bon, excusez-moi, à côté je peux pas empêcher de vous remontrer mon bateau. Voilà. Donc là on a l'Open 625. Bon. Et alors à côté, c'est un peu ce que disait Christophe, hein, c'est un peu le fer de lance des Open chez Pacific Raft. C'est l'Open 610. Voilà. C'est un bateau qui peut être équipé d'un moteur d'un 6 cylindres, là, qui est équipé actuellement d'un 200 chevaux, voilà, monté jusqu'à 225 chevaux, avec voilà, un espace très confortable. Voilà, c'est un Open classique dans le sens positif du terme, qui répond à tous les usages de ceux qui n'ont pas besoin d'avoir un bateau pour dormir ou bloguer au.
à l'abri. Voilà, donc ça c'était le 670 OPEG. On a fini notre petit tour chez Pacific Craft Yamaha. Et on va aller se balader ailleurs. Bonne journée. Bonne journée.